cadre de l'actualité. Là, c'est Journée internationale Liberté la presse. Nous avons une attention spéciale dans l'édition Nouvelle Jeudi. Réaction a continué sur manifestation étudiants qui ont déroulé dans l'université américaine contre la guerre Israël a menée dans le territoire Gaza. Et puis en Haïti, la quantité politique qui a participé dans la préparation à 3 avril là, mettait en question la façon une majorité choisie Edgar Leblanc fils comme coordonnateur du conseil présidentiel transition avec désignation Frise Belizère comme candidat pour poste premier ministre. Oui, on le fait encore un salut. Nous. Moi, c'est Jean-Baptiste Philippe, qui a salué nous et qui a remercié nous depuis la capitale fédérale américaine à Washington DC. Bonjour, bonsoir tout le monde. De Mme Anakile qui côté WAP Tandé et garder en même temps vidéo ça. Déjà, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo des formations que nous portons pour Jacques qui ont déjà constaté là. Et bien, nous venons avec une édition La Voix de l'Amérique. Pour après La Voix de l'Amérique, là, quelques autres grands points pour nous dans l'édition nouvelle ça. Nous avons connu. Et bien, après prisonnier qui a essayé de sortir dans la prison pour des pères, là, et bien, 4 prisonniers qui mourent avec 8 autres qui avaient blessé pendant la tentative d'invasion. Si la Haïti États-Unis ont mandé international là aider combattre zam cap rentrer dans pays d'Haïti yo même cap sauter tout dans état Floride de l'autre côté n'a faut connait au champ Haïti mandé pour conseil là lui même li penser avec crise insécurité alimentaire pays a lui même là fait face là c'est pas goumé jijmelan mais là lui même li t'étendé Kinton Louis est dans dossier corruption qui vient pour avec CNEA n'a venir avec détail pour sénateur Oni Celestin pour aller juger devant tribunal criminel pour dossier Némi Joseph qui était mort depuis l'année 2019 dans pays d'Haïti directement dans Miubale. Garde côte américain intercepté plus passé 50 millions de dollars cocaïne Pacifique là pour ça plaisir l'autre n'a porté pour dans édition La Voix de l'Amérique ça mais avant même nous entrer dans pour ça cap dominer actualité si c'est pour la première fois tomber sur channel ça pas et abonnez avec channel là et tout activer la cloche notification on a mettre le surtout pas oublier que un like sur vidéo partager vidéo avec vos amis et famille nous pas perdre trop de temps La Voix de l'Amérique puis devant venir grâce d'état la presse un coup d'œil spécial avec Jacques Belizère. Dans l'occasion Journée mondiale la presse là, Reporters sans frontières, RSF, fait sortir journée 3 mai 2024 là, yon rapport côté le fait qu'on est menace gouvernement ak parlementaire yo trouvé au parmi gros défis qui devant journalistes à travers le monde. Et dans le classement mondial là que il fait sortir chaque année là, li examiner facteurs politiques, juridiques et économiques qui affectent médias yo ak situation sécurité journalistes yo dans 180 pays à territoire. Yo chaque recevoir bon canet ou bien mauvais canet. Par exemple, Liberté la presse détériorée par rapport à secteur politique là dans toute région yo dans le monde d'après Clayton Winners qui c'est directeur en chef bureau RSF aux États-Unis. Li dit La Voix de l'Amérique, acteurs politiques yo toujours prêt pour la vernis sous média yo, dénigrer la presse, attaquer directement travail la presse yo et chercher utiliser appareil gouvernemental yo comme zam contre média qui critiquent yo. Winners longe doit tout sous pays Argentine. Côté yo enregistré une plus gros baisse dans Liberté la presse par rapport à l'année passée. Attendez ça. Argentine sorti en 40e place pour tomber en 66e. Gros baisse ça c'est à cause élection président Javier Milei qui lui-même clairement exprimé hostilité vis-à-vis la presse. Comme exemple, toujours d'après Winners, président Milei coupé financement pour médias publics et lagué accusation sous dos la presse. Ambassade argentine dans Washington, Poco réagit sous email La Voix de l'Amérique, te voye bali côté le demandé yon réaction. Classement by Norvège, bon canet, qui fait le rete numéro 1 dans le monde dans affaire Liberté la presse. Et dans top 5 là, top 5 là, 5 premiers, nous joignons tout Danemark, la Suède, la Hollande, à la Finlande. Et dans quelques camionnettes là, nous joignons Iran, Corée du Nord, Afghanistan, la Syrie et Érythrée. États-Unis lui-même perdu 10 places pour tomber en 55e place après arrestation qui fait sous journaliste et descente délié la police te fait année passée dans un local, un journal dans Kansas. Emily Wilkins, qui est président National Press Club dans Washington, quoi, c'est un bagaille qui fait mal en pile, qui baille tête fait mal. Le fait que autant de liberté la presse aux États-Unis menacée. Toujours d'après classement 2024 Reporters sans frontières là, la Russie prend 2 places pour le monter en 162e position. Mais Winners dit, bagaille ça a capable de tromper moun. Et le pas fin clair. RSF affirmé la Russie recevoir mauvais canet dans affaire Liberté la presse qui en fait dégringolé même si gen l'autre pays côté bagala pire que dans pays la Russie. Facteur qui explique mauvais canet la Russie c'est emprisonnement journaliste parmi eux deux Américains. Ivan Gerskovich, reporter au Wall Street Journal, dans prison depuis 2023 en bas accusation espionnage, ça que ni journal là ni gouvernement américain démenti.
et département d'État dit emprisonnement journaliste 32 ans ça pas gain base. Gain tout Alsou Kurtz Matcheva, rédactrice en chef chaîne télévision Sœur La Voix de l'Amérique, Radio Free Europe and Radio Liberty qui est en prison depuis octobre 2023 pour tête l'été blié inscrit non là comme soi-disant agent étranger et que l'État diffusé ça Moscou considéré comme fake news, mauvaise information sur la Russie, principalement sous la mer. Groupe Défense Liberté a critiqué le département d'État américain pour être pas dit la Russie emprisonnée comme Matcheva injustement. Ça qui était capable d'après yo aider dans la libération. Yon porte-parole département d'État américain dit La Voix de l'Amérique, gouvernement travaille sérieusement sous Kassa avec un pilote encore. Classement ça, li pa bay mauvaise nouvelle seulement, mauvais canet seulement. Gen kote ça pimi yo. Par exemple, amélioration dans le pays Ukraine qui prend 18 places pour le monter en 161e place. Et puis, Haïti qui était en 99e, prend 6 places pour le monter en 93e position avec un score de 55.92 devant Sénégal et derrière Guinée-Bissau. Jacques Belizère, VOA Creole. Et si nous avons Jacques Lé, toujours, nous avons dit plus toujours sur Liberté de la presse, ou façon que Liberté de la presse a célébré jeudi. Dans certains pays, il n'y a pas bon, mais dans d'autres pays, il n'y a pas bon. Nous parlons dans le pays d'Haïti, côté nous parlons regarder avec souterrain même, journaliste qui travaille souterrain même, qui j'en la vie. Matadouine. En Haïti, journalistes, surtout nous-mêmes, qui reportons d'images, situation grave pour nous en Haïti. Et ça, avec une difficulté, nous vivons le travail à terre. C'est un pas en pile critique et agression, journalistes reportent à travail dans Port-au-Prince. Travail la pression fait qu'on est chaque jour, bon Dieu, mettez, il y a pressé voir menace sous la vie. Lorsque nous rentrons dans le quartier défavorisé, dans le quartier côté groupe armé, nous faisons une interview ensemble avec eux, eh bien, autorité nationale critique nous. La police, tout, qui sont forces légales, qui sont supposées là pour protéger nous-mêmes en tant que journalistes, et ils prennent nos cibles, bandits. Et bandits en lui-même, tout, souvent, dès qu'on a des journalistes qui arrivent dans l'espace, ils prennent nos cibles et la police dit qu'ils travaillent pour la police. Il y a des journalistes qui sont victimes là, parmi lesquels moi-même, plusieurs journalistes accompagnés dans l'inspection générale. Nous arrivons même au niveau parquet. Il y a plusieurs journalistes qui sont victimes, qui ont GPT, qui ont d'autres problèmes là toujours, qui ont mal réel, qui ont qui mourent. Petit 5 journalistes qui sont victimes dans le dernier mouvement qui a été déclenché contre le gouvernement Ariel Henry. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massia de Villemé pour VOA Creole. Toujours sur la même nouvelle là, nous avons journée, ou bien nous avons dit 31e édition. Journée internationale Liberté de la presse, là, c'est 31e édition. Et nous avons c'est l'ONU qui a pris décision, ça, c'était en 1993 que ça a été fait. Donc, nous pouvons aller dans New York, où il y a un journal haïtien qui est dans New York, qui travaille pour informer la diaspora sur ce qui a passé exactement en Haïti. Sandra Lemaire a présenté nous histoire journal, ça, qui est le Haitian Time, dans la ville de New York. Donc pour nous, l'œil aura les oreilles, nous avons rappelé tout le monde que ce travail nous a fait, c'est constat l'idoué. Diriger un gros réseau nouvelle diaspora en un moment critique, pas facile. Mais rédactrice journal Haitian Times, là, haïtienne-américaine Vania André, gagne détermination à un objectif précis. L'idée du travail, nous, c'est rapporter ça là, à ça nous devons découvrir. Mission ça a vint plus important dans le moment Haïti a fait face à une crise sociopolitique qui vient plus grave à cause de la violence gangue et puis assassinat président Jovenel Moïse en 2021. Dans le temps, Kawoa, journaliste a fait face à menaces, attaques, kidnapping, gagnant qui choisit pour y courir. Pour André, faire face à besoin communautaire, vous dit un paquet de réunions, sessions stratégiques et puis engager à communauté. Engagement, courir, confiance. Joseph Laurent Cospo, Rete Haïti. C'est sa cause. L'expliquer, c'est sa cause. Nous partager un moment important que le journal a publié. Ça a encouragé pour nous rester informés, apprendre, comprendre et puis tout, ça mettait nous en valeur. Pendant plus, migrants à Blibak et New York, il y a un objectif Haitian Times, c'est arriver sur plus monde. C'est peut-être ça qu'il a créé un bulletin immigration pour bâtir bon gens information pour qu'il y ait des communautés haïtiennes informées. Bulletin en vise corriger des informations et puis répondre à questions sur politique immigration. Il dit vraiment vrai, nous devons jouer un moyen pour consolider toute information, ça, un seul côté, que n'importe qui monde a accès à lui, qui est dans une clinique ou docteur ou bien dans un centre communautaire. J'ai fort à faire partie d'un plan pilage pour arriver sur autant de diaspora possible. Pour André, diriger le journal là, très personnel. Si tu veux regarder ce qui a passé au niveau national, moi, histoire femme, à qui soit parent, moi. Et puis, moi, qui a géré la qualité du reportage à faire pour des décennies qui viennent. Atteindre l'audience globale et puis aider les nouveaux migrants, c'est façon André, à Haitian Times, capable disposer ou espace côté monde, partant des voix haïtiens.
Voilà, c'est Tristan Lemay qui t'a fait un coup d'œil sur Haitian Time dans New York, qui j'en ai même dit qu'il y a un public là informé sur ce qui a passé. Non seulement dans la caille, mais tout dans la communauté côté Abdulatou, qui normalement c'est le premier basio que tu connais, ce qui a passé dans l'environnement. Et puis nous avons prêté dans New York toujours pour nous parler avec Valé Saint-Louis qui parlait de découvrir. L'autre journaliste, c'est Dieu Nalio Chéri, qui lui-même tout, c'est un journaliste photographe. On essaie de découvrir avec nous, journaliste là, Valé Saint-Louis. Dieu Nalio Chéri, c'est un journaliste photographe qui est reconnu à travers le monde pour travailler comme photographe qui a bail information. Actuellement, là, je suis un freelance photojournaliste pour Reuters, New York Times, Washington Post, Haitian Times et puis AFP, Agence France-Presse. Il servit à caméra photo pour bail information dans des moments et situations qui sont parfois très difficiles. Et c'est comme ça que travaille comme journaliste photographe qui est reconnu mondialement. Il était arrivé décrocher médaille d'or prix Robert Capa dans l'année 2019 là pour plus bon reportage photographique qui était publié à l'étranger. Médaille d'or prix Robert Capa, c'est une distinction qui est très prestigieuse qu'il était arrivé gagner pour courage exceptionnel qu'il était démontré dans le travail journaliste là. Il a fait reportage photo sous crise politique là avec Abid Wamoun en Haïti. Robert Capa, c'est un gros photographe de guerre. OK, l'aime prend prix ça, gè gros photographe dans le monde là, très le mieux dit oh, on fait gros bagarre oui l'autre photographe pourquoi j'aime faire. Il était sorti tout comme finaliste dans le concours Pulitzer Prize, prix Pulitzer là comme journaliste photographe dans la catégorie Nouvelle Actualité pour l'année 2021. Métier journaliste là en général et surtout dans le pays d'Haïti, il y a un pile risque la donne. Il y a deux incidents passés en Haïti qui vraiment menacé la vie. Peut-être tuer, même toujours dire bon Dieu merci parce que moi, toujours. C'était dans l'année 2019, dans le moment situation pays a été chaud. De un parlement, pendant séance ratification déclaration politique générale Fritz William Michel qui t'a déroulé, sénateur noir Ralph Etier tira les amis et puis tiré pour défendre tête en mettant une discussion avec quelques militants politiques. Journaliste photographe Dieu Nalio Chéri t'es arrivé blessé pendant que tu as fait travail. Son larme moi quand je suis venu, son action de fait entre y en a deux secondes et puis me dit me prend balle et puis me continue à faire photo parce que me sens monde comme ça moi mes métiers ça en bas pression gang yo, il était obligé quitter pays à prendre exil à toute famille. Un ami relem un journaliste li relem li dit que mais chef gang si Belekoua a demandé pour me dit pour qui ça. Pour qui est-ce que vous l'avez demandé? Qui non mon libre? Il dit pour Dieu Nalio Chéri. Merci à l'ambassade américaine qui t'a vraiment aidé. Et puis Focal, institution, ça m'a toujours dit merci en pile. Focal t'a aidé en pile. Focal, c'est une organisation qui a aidé journalistes en Haïti. Ils ont aidé en pile pour me quitter le pays. Dieu Nalio Chéri t'a dit VOA Creole, qui sa journée mondiale liberté de la presse, ça veut dire pour lui? Elle parle de liberté de la presse. Son bail pour tout le monde qui a valeur dans tout le pays. Parce que la presse sont bien communs liés. La presse c'est pour tout le monde. Parce que moi-même, je suis fait métier ça en Haïti, je suis représenté tant que témoin société. OK, suis là tout côté, je suis photographier tout ça moi qui pas normal, qui doit qui mérite attention. So, je fait travail ça. So, je suis fait travail ça pour famille, je suis fait pour pays. Ya. Ça veut dire que un journaliste il mérite protection dans tout le monde. Dieu Nalio Chéri qui était pays depuis l'année 2021 pour venir vivre ici aux États-Unis avec famille. Il pas jamais déposé outils caméra li. Il était un journaliste photographe indépendant qui kounia basé dans Michigan. Côté que la travaille sous plusieurs projets pour l'avenir. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Cependant, ce n'est pas seul exemple ça qui vient, non, côté journaliste qui a subi persécution. Dans Nicaragua, par exemple, le gouvernement a maté journalistes, surtout journalistes qui travaillent dans la presse, Serge François Michel. Fleuve San Juan, 200 km de l'eau, séparé journaliste Sayo avec pays Lacayo, avec Moun Kabli à Tikyo dans Nicaragua. Journaliste Sayo qui était obligé de prendre exil, mais qui était continué à faire reportage étant Lacay voisin Costa Rica. Te vle marquer 98e anniversaire journal yo a, La Prensa, La Presse. Kon sa, yo te retourné pour yon petit bout de temps, bord lo Nicaragua. Et el día en que sali. The clandestine approach was necessary. Hans Lorenz Ramirez, c'est un journaliste La Prensa. Li di, li songe un moment sous bateau a, le te gen un gros silence na équipe la. C'est seul brimote yo te katande. Li te nécessaire pour yo te proche pré-paya en bachal. Presque tout les staff La Prensa, reporter, rédacteur en chef et même chauffeur, t'es obligé de courir pour persécution au gouvernement. Puyo, produit en édition spéciale étant sous territoire Nicaragua, ça voyait un message par le gouvernement. Nayel Martinez, c'est un éditeur pour La Prensa. Il dit, action liée, c'était une façon pour dire gouvernement, mais nous ici, là, côté nous battre deux jambes quitter à Nicaragua. Mais un retour permanent, ça n'a pas un choix pour l'équipe La Prensa. En 2001, le gouvernement président Daniel Ortega a saisi cette nouvelle-là. Dans le cadre de sa autorité, il dit que c'était une enquête sur fraude la douane. Juan Holman, c'est directeur journal La Prensa.
A contingent of police and riot police arrived at La Prensa. Lui fait connaître la police qui vient à La Prensa et après ça, tu prends contrôle du building là, tout employé au Ladan. Après ça, tu es arrêté directeur Juan Lorenzo Holman. Lorenzo dit qu'il était passé 545 jours en prison à El Chipote. Il était jugé, condamné à la sentence 9 l'année prison et on amende 3 millions de dollars pour lavage d'argent. Et c'est clair que l'accusation n'a pas de campé sur rien. Holman était joint de liberté en 2023. Mais d'abord, l'autorité a été mise dehors dans le pays et où était citoyen tel. Journaliste, il a eu confiance qu'un jour, il a tourné la caillou avec une salle nouvelle et qu'il apprenne ça à continuer à vivre pour célébrer le 100e anniversaire. D'après journaliste La Voix de l'Amérique, Donaldo Hernandez, dans San José, Costa Rica. Serge-François Michel, VOA Creole. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. VOA Creole a présenté une émission spéciale pour Journée internationale La Presse. Une presse libre, important, émission spéciale. Branchez VOA Creole. Parce que pour moi, le silence n'est pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. Rendez-vous ça, c'est après-midi à tous les après journal ça. À 5h tapant, nous mettons sous journal dans page non sur Facebook. Que nous pouvons jouer et interview ça, intégralité, toutes les opérations spéciales, ça nous fait sur une occasion, Journée internationale, liberté de la presse. Nous avons quitté ce sujet, ça, nous parlons dans le pays d'Haïti. Côté déblosaï, acteurs politiques qui ont participé dans la rédaction, bien encore dans l'accord 3 avril, là, et bien sous choix, de façon que vous choisissez, coordonnateur, conseil présidentiel, transition, avec candidat pour poste premier ministre et Yves Manuel. Depuis nomination Edgar Leblanc fils comme coordonnateur conseil présidentiel transition à désignation ingénieur Fritz Belizet comme premier ministre Mamio a couteau tiré hier jeudi 2 mai malgré tentative CARICOM pour résoudre situation pas aucune solution qui trouvé groupe minoritaire qui très critique envers désignation premier ministre là yo même yo pas participer dans rencontre ça yo reproché bloc majoritaire qui voulait à tout prix prendre contrôle l'état ça qui en contradiction avec accord 3 avril 2024 là avant rencontre là avec CARICOM conseillers étaient réunis entre eux dans mitan discussion accord 3 avril 2024 là avec inondation qui frappait notamment département nord pendant rencontre là bloc minoritaire dans conseil présidentiel là envisagé pour ta gagner une révision sur façon yo a prendre décision yo côté majorité 4 sur 7 là ta doit passer à une majorité 5 initiative ça viser garantir décision important qu'a gagner pour prendre dans mitan conseil présidentiel là ta nomination premier ministre avec formation gouvernement selon diverses sources nous capable faire confiance gagner certains conseillers présidentiels qui exigeaient retrait choix premier ministre actuel Fritz Belizet et puis tout pour ta rewè répartition poste dans mitan conseil là même conseil présidentiel transition doit réunir journée vendredi 3 mai 2024 là pour tenter trouver yon entente par rapport à Krisa. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Actualité sur le plan international, manifestation continue contre opération militaire Israël menée dans le territoire Gaza. Fred Kaimit. Des certaines supporters Israël à Gaza entre la confrontation à l'Université Sydney dans le pays Australie jeudi vendredi 3 mai 2024 là. Tant que c'est éco-manifestation à l'Université des États-Unis avec bouleverse Moyen-Orient qui arrivait sur un campus qui sous un continent par l'autre bon monde là. Manifestant rivalio, l'un a bâgé l'autre pour chanter slogan avec souki drapeau. Mais quand même, à part de quelques discussions chauffées, manifestation a été tous les décors fini pacifiquement. Mais c'était un autre signe qui l'a gagné Gaza qui a couru sous 7e mois là, avec la guerre qui tire les États-Unis qui passe suspend à traverser plusieurs océans pour aller chauffer courant politique. Des dizaines de tentes qui campaient et qui gagnent banni à drapeau palestinien tournaient depuis 10 jours, point central, pour des centaines de manifestants. Parmi eux, étudiants qui comptent évasion à terre avec bombardement qui exerce la fin dans Gaza. Merci, Fred Kaimi. N'a prêté sur le même sujet ça. Eh bien, groupe militant Amasio déclaré y a voué une délégation en Égypte pour discuter sous proposition Israël fait pour gagner un cessez-le-feu avec libération otage, Gentil Augustin Junior. Hamas fait connait li a considéré avec un esprit positif yon entente pour la guerre Gaza suspend après l'ONU saute averti que rétablir territoire palestinien qui dévasté ya ta mandé effort que monde l'an pas jamais wè depuis deuxième guerre mondiale là après plusieurs mois négociation tombé levé Hamas bay yon ton positif pour dernière proposition qui dit libérer otage pour bataille yo campé ça qui soulevé espoir que dès quand yo ka joine yon entente avant longtemps même les travailleurs médicaux yo nan Gaza qui en bas attaque rapporté nouveau frappe sous parti qui nan dernier bout de site Gaza jeudi vendredi Matthew Miller
dit groupe Hamas là gagne une bonne proposition kounye a. There is a proposal on the table. Gagne une proposition sous table là qui satisfait en pile dans demande que Hamas te fait dans série négociation avant yo. Israël te fait une offre important. Ak dernière proposition ça qui te fait compromettre en pile position depuis longtemps que yo te prend. Et j'en moi te dit en réponse ak en pile demande Hamas te dit que yo te obligé accepter yon contrat. Donc nous croyons kounye a c'est yo qui pour accepter accord que yo te mandé ya et yo ta doué accepter et pour yo avancer. Chef Hamas Ismaël Haniyeh dit groupe là a voyé une délégation en Égypte pour finir discussion qui déjà a fait pour la guerre à suspendre et pour arriver joindre une entente qui réaliser réclamation moun nou yo. Haniyeh dit médiateur yo qui sorti dans Égypte à Qatar l'elle te parlé dans téléphone ak yo hier jeudi ya que Hamas a petit jeu dernier proposition Israël là ak yon esprit positif. Gentil Augustin Junior, Washington, VOA Creole. Et puis, il se passe 10 personnes mourir dans une inondation qui frappe une partie au Brésil. Marie-Louise Pierre. Au Brésil, 13 personnes mourir et 21 autres personnes disparaître après gros la pluie, inondation à glissement terrain dans le sud Brésil depuis lundi, d'après la défense civile PIA. Gouverneur Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, te dit jeudi, il espérait quantité de monde qui mourir a augmenté dans l'État à cause de difficultés pour rejoindre accès dans une côté qui a un glissement terrain. Gouverneur Leite dit, malheureusement, nous déjà regrettons toute la mort qui peut enregistrer yo et pas gagner en pile, surtout à cause de glissement terrain, avec monde qui était resté côté qui pas gagner accès pendant 48 heures. Nous t'ai déjà relé secouristes et puis n'a travail dit pour nous arriver dans chaque côté. Président brésilien Luiz Inácio da Silva, alias Lula, ensemble avec membre cabinet yo, parmi yo ministre environnement Marina Silva, t'ai visité village jeudi pour t'ai rencontré avec gouverneur. Président brésilien dit la nature a manifesté tête li et puis nous besoin prendre ça en considération parce que les la nature rebelle nous connaît que dommage la gros en pile. Mauvais temps à travers Amérique du Sud là, c'est à cause phénomène climat El Niño. C'est un événement saisonnier qui chauffait de l'eau dans la région Pacifique équatoriale là. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Nous parler dans pays d'Haïti, une délégation de l'église protestante et bien mes amis, ont visité construction canal. Il y a massacre là dans Wanamet, Jodle Junior Civil de Bifor Liberté. Yon délégation Conseil National Fédération Protestante d'Haïti qui gen en tête li Pasteur Floridor Calixte, président conseil là, visité hier jeudi 2 mai 2024 là, canal irrigation rivière massacre là dans Wanamet. Objectif visite ça, d'après ça yo dit, c'est pour te venir non seulement canal là, mais tout continuer pour te support yo pour travail là qui presque arrivé dans bout li. En même temps, Pasteur Floridor Calixte invité protestant yo pour yo faire une révolution économique dans pays ya. Eh bien, jodi a, moi te jugé nécessaire pour me faire ça, pour me capable venir continuer encourager bel travail qui a fait ça qui c'est canal ça, donc qui pral servir pour arroser terre nou yo pour capable bay produit en pile manger dans pays d'Haïti. Donc nous même dans Fédération Protestante d'Haïti, n'a continué encourager tout peuple haïtien. L'autre côté qui fait canal, continuer faire canal parce que jodi a peuple a besoin manger pour manger. Si l'autre moun yo y a fait révolution dans politique, nous même protestants on fait révolution économique là à travers développement agriculture dans pays d'Haïti. Pasteur Floridor Calixte rapoussi pour le dire, secteur protestant pas camper dans accompagnement y a bay paysan yo dans plein Bamaribaoa. Comme ça, yo porté 1 million goud pour canal là. Il était tout profité annoncé, il pral mettre campé yon banque agricole. Non seulement nous-mêmes, mission nous déjà fait déjà, ligue déjà fait coordination déjà fait, mais moi-même comme président dans nos conseil national fédération pour d'Haïti, nous portons une offre spéciale, nous portons 1 million de goud que nous n'a pral bail là dans quelques minutes en coordination et cap gérer canal là pour nous encourager davantage. Donc nous portons 1 million de goud encore pour nous ajouter sur tout ça que bail déjà pour continuer avec travail canal là. Fédération protestante d'Haïti nous voulons aller plus loin. Après canal ça, nous pensons que pour nous capables encourager partenaires nous pour nous capables mettre une coopérative d'agricole pour ne pas dire banque d'agricole. Jodley Junior Saint-Ville depuis Wanamet pour VOA Créole. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. VOA Créole a présenté une émission spéciale pour Journée internationale La Presse. Une presse libre, important, émission spéciale. Branchez VOA Créole. Parce que pour moi, le silence n'est pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. Oui, Pabli, rendez-vous à mes amis, c'est 5 heures tapant sur la page Facebook, nous, côté nous pour suivre le reportage spécial, ça que PIFOR, membre équipe service que la met ensemble pour présenter nous, avec des journalistes spéciales, tout qui au même tout, c'est des victimes ou bien monde qui vivent situation, la presse là, que ce soit dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger, mais qui a une participation par tout. Donc, pas raté, rendez-vous ça. Nous parlons à Miami, côté nous pour jouer une vidéo, on sait qui parle, parler nous un petit peu de nouvelles sur vedette musique. Carlo Vieux.
Le musicien fondateur groupe musical Karimi était de passage dans l'État Floride semaine qui s'est passée là, dans micro Véro Créole, Carlo Vieux annoncé que la pratique est collée dans business musique haïtienne. Et me faire recul là, me dit que m'ta quitter musique, quitter musique parce que et bon, I'm the family guy, one of them they going to do so but it's honestly that's what it is. Me pense que moi t'ai fait temps et kounya là c'est là pour me bailler temps moi petit moi. Ça veut dire que pour me bailler et tout temps moi as much as possible so that they can be successful in their life. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Marie Rosilmé, alias Gigi, t'est rencontrée avec la presse dimanche qui s'est passé là, dans Oakland Park, État Floride, pour te annoncer que désormais, il n'est pas artiste solo. Encore, il y a un propre JSD qui portait nom Gigi Band, il y a un nouveau manager qui portait nom Alba Guidi, et il y a deux nouveaux vidéos sur le marché musical. Deux vidéos qui sont sorties aujourd'hui, il y a un petit Kai Remé, il y a un petit Yoz, et je dis que nous avons pour être différents, il y a un palais plein de l'amour, et l'autre là, a parlé des gens que je t'aime pour le monde, ça c'est monde moins chaque jour deux concepts différents yon qui vraiment fancy and fashionable et yon l'autre qui voye nous droit à Haïti la caille. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne en État Floride, non pas c'est Jude Ronsé pour Véro Créole Miami. Merci Jude Ronsé et bien mes amis. L'autre information que nous portons pour et bien nous aller directement avant d'aller n'a faut qu'on ait et bien émission Woody Thomas Sano lui même l'a pour diviser sur team Woody officiel après les c'est ça nous même nous voulons. Et bien l'a gagne pour animer chaque matin dans 8h et bien c'est ça le fait déclarer là sous gazette Haïti la vie mais nous donc ou dit ça non li pas quitter après n'a quitter ou dit ça non nous aller dans dossier Westerly Pierre fils là lui même qui arrêté dans Port Saint-Lucie lui même Florida pays les États-Unis bien arrêté Westerly lui même c'est dans depuis la date 1er mai qui était passé à la 1er mai 2024 là ben c'est pour bagaille qui fait tomber depuis Westerly Pierre fils lui même l'état arrêté raison qui fait l'arrêté en pile monde même ne pas connaît la petit détail et ben c'est là peut-être il prend habitude conduire machine sans licence dans pays moun yo qui c'est pays les États-Unis. En réalité, et bien c'était depuis 11 janvier 2024 qui s'est passé à là que la police même yo te joine influence là les même côté t'a conduit sans licence dans état Floride pays les États-Unis. Et bien yo te bal rendez-vous pour te paraître devant tribunal dans date qui est 22 avril 2024 là pour te capable aller juger parce qu'il était croisé la conduit sans licence. Et bien oui c'était lui même qui pas jamais mettre pied dans tribunal là et bien comme ça jour qui était 22 avril 2024 là juge là lui même il était mettre mandat derrière et puis yo même nous pas prendre trop temps parce que mandat de DLD 22 avril 2024 et bien on t'a pas arrêter les shooting qui était 1er mai 2024 là dans quel que soit pays qui donc moun pas conduit sans licence dans les yon haïtienne monté États-Unis et bien on va conduire sans licence dans temps ça c'est pas passé seulement passé loi circulation en bas pied mais ces conséquences là ou même cap lou en pile pour elle est là et bien influence là les même li déjà arrêté dans état Floride pays les États-Unis qui donc depuis mois janvier te prend la condition licence yo te bal rendez-vous pour le présenter devant tribunal 20 avril li pas aller et bien mandat est vinn déjà derrière pour te capable arrêter par rapport pas présenter nan date que yo même yo te bali pour te présenter. Eh bien qui s'est passé dans dossier avion yo même qui continue à atterrir dans pays d'Haïti. Eh bien divers entrepreneurs civils commencé débarquer dans pays et bien pour venir préparer pour force Kenya li même li ta pour l'op gros entrepreneurs civils yo même yo débarqué dans Port-au-Prince vendredi qui était hier 3 mai 2024 là dans un avion militaire américain mon sa yo même yo t'a pral aider Pentagon lui-même dans question aménager zone côté mission lui-même li pral établi les vini en Haïti dans les cap vini là la maison blanche confirmé gagne un premier tour policier kenyan qui arrivé dans pays d'Haïti dans fin mois mai 2024 là selon journal américain qui c'est Miami Herald et journal panou dans pays d'Haïti qui c'est nouvelle liste et bien yo déjà confirmé nouvelle ça qui pral gagner troupes kenyan qui pral venir bien soldat mais qui était pardon avion qui était rentré dans pays d'Haïti pendant journée hier c'était matériel
li t'a porté une façon pour établir base yo, une façon pour capable recevoir force qui t'a supposé commencer pilote là depuis dans commencement ou bien dans finissement pour nous bien dit moi mais là qui c'est nous déjà là dans raison en clair li simple et bien c'est pour construire installation côté pour force Kenya yo même y a gain pour t'établir base yo dans pays d'Haïti. Est-ce que la facile nous pour connaître vivre ensemble à souki koyo mais force là toute bagaille déjà après malgré conseil là gain bonne bouche qui pas go entre yo mais ça pas empêcher que contrat qui était signé lui même li respecté. Garde côte américain intercepté plus passer 50 millions dollars cocaïne dans Pacifique là. Le garde côte américain eux même yoté intercepté changement cocaïne qui vaut plus passer 50 millions de dollars dans une mission 54 jours qui était concentré sous océan Pacifique là bord côté Mexique avec Amérique centrale. Et bien autorité eux même yo déjà rapporté que pendant 54 jours ça patrouille eux même équipage bateau même l'été intercepté ont fait des 3 points 856 livres cocaïne avec yon valet dans la rue que yon même yote estimé qui capable faire 50.8 millions de dollars qui donc yon continue à mener opération sa yon pour yon capable goumer contre trafic drogue avec zam yon même qui continue mettez contrôle dans dossier si en parlant de trafic drogue et maintenant faut connait haïtien qui vivent dans pays États-Unis yo mandé international là pour aider combattre et bien zam qui rentre dans pays d'Haïti communauté haïtienne États-Unis yo même spécialement dans sud état Florida yo même été rencontré avec responsable sécurité intérieur pays a hier qui vendredi 3 mai 2024 là dans ça yo mandé soutien nan combat trafic zam trafic organe moun ti moun et puis l'autre activité malsain yo même k'ap fèt nan pays d'Haïti et bien selon ça journal Miami et les mêmes li rapporté agent fédéral yo même yo dit y a continuer mener enquête sur quantité zam illégal avec drogue et puis contrebande k'ap fèt en Haïti avec États-Unis en plus communauté haïtienne dans la zone Floride yo même yo t'apral mandé yo aide sous violence gang ak zam yo même k'ap fèt dans pays Caraïbes. Parallèlement agent Homeland Security les mêmes yo spécialisé dans question enquête criminelle là et bien département sécurité intérieur américain lui-même li te gen diverses préoccupations et mandé compatriotes haïtiens comment yo capable aider yo et bien c'est une rencontre yo te discuté tout sous crise qui a ravagé pays d'Haïti. Nous pas suspendre goumen pour nous sortir dans problème noir. Nous devons continuer rassembler en tant que communauté des déclarations Anthony Salisbury lui-même qui c'est agent spécial qui chargé HSI Miami et bien rappelle tout Todd lui-même Robinson et bien qui c'est secrétaire adjoint américain qui est responsable bio international STP Fian lui-même avec application la loi internationale lui a été déclaré à 3 mai 2024 la premier déploiement mission multinationale Haïti à la fête dans fin mois mai 2024 là et bien ça a gain pour fête dans même moment président Kenya qui c'est William Ruto l'a gain pour le rentrer dans pays les États-Unis dans une rencontre gain pour le faire jour 26 mai 2024 cap vini là qui donc bagaille yo paraît yon ti jan commencé gen update cap fait dans dossier force mission multinationale là au champ Haïti mandé conseil là pour les même pour penser avec crise insécurité alimentaire pays. Dans une autre organisation au champ Haïti publié journée jeudi samedi 4 mai 2024 là yo fait connait pays a connait yon crise de côté dirigeant yo même yo sot passé yo pas capable changer ça qui donc pour kounya là li souhaité pour 9 membres conseil présidentiel transition si tout président conseil là li même pour li pencher sous situation insécurité alimentaire qui dans pays ya. Population livrée dans bouche la mort cadavre moun na tout la ri côté chien yo même c'est yo k'ap manger k'ap chanter enterrement moun sa yo et bien k'ap couri tout couché fou et bien dans propre pays pa yo à cause des actes banditis là li même en plus l'autre menace k'ap vinn yo et bien sous causer insécurité c'est ça organisation soutien civil avec religieux au champ Haïti yo même yo écrit sous recommandation qui li fait avec membre conseil présidentiel là organisation ça té victime sous acte
insécurité généralisée dans date qui était 29 mai 2023, ça qui pourrait avec quelques partisans corrompus après ou même yoté fin prend l'argent dans caisse assistance sociale là qui se casse. Une jodia en pile nan nous obligé cacher pour éviter assassinat nous. En plus, zak de persécution n'a sibi. Selon ça responsable ou même yo révélé pendant yo fait qu'on est malgré ça yo pas décidé rester dans silence yo par rapport avec ça qu'a fait dans pays d'Haïti surtout dans mouvement ça yo là nous m'a dit avec toute l'autre organisation pour défendre droit moun yo même avec accueillir moun ça yo et bien surtout si là yo même cap courir quitter caillou qui pillé et puis boulé à cause des gangs à exam et bien pour inviter plus moun frapper en bas grand goût gantan gagnon a fait des 5.3 millions moun cap fait face avec grand goût côté inflation li même li augmenté dans 44% en plus l'école l'église et puis l'hôpital qui pas gagné rien pour yoé encore avec résistance parce que yo gen tan pillé avec boulé dans dossier crise ça et bien ajouter au champ sous situation malouk pays a pour fini yo tout profiter dénoncer gouvernement américain lui-même pour déportation 74 haïtiens que li sont fait là dans date qui était 18 avril 2024 là d'après structure et bien pour sécurité la vie haïtien aux États-Unis qui considéré comme frais avec zanmi nou et bien yo ta dwe accueillir compatriotes nous à cause des états d'urgence qui sont pays d'Haïti. Pourquoi il a pays a vraiment à effondrer et les États-Unis cap mandé pour pas déporter l'autre côté, il pas ta gain droit les mêmes pour la déporter haïtien pour ta venir dans pays d'Haïti. Dossier invasion qui fait dans prison pour des pères, et bien dossier si là qui fait pile par en pile dans dernier jour ça là et bien plusieurs prisonniers qui étaient sauvés dans prison civile pour des paix hier vendredi et mes plusieurs prisonniers ça même été trouvé dans prison civile pour des paix côté cassé prison et puis chapé pour lui et maintenant la nuit vendredi dès pour l'ouvrir 3000 qui sont passés à la selon plusieurs habitants dans département et bien des plusieurs dans yo qui joignent la mort tout côté yo t'a essayé sauver quitter espace là selon Haïti 9 news et bien tentative pour casser prison a été commencé déjà depuis environ 8 ans à souhait côté yo même yo te fait qu'on est depuis là ça plusieurs groupes criminels dans port de paix te prend la rue de l'autre côté dans l'idée pour yo même yo te capable joindre prisonnier sa yo et bien commissaire gouvernement pour des pays lui même qui se jette et il était passé l'ordre pour tout habitant entrer la caillou pour éviter victime dans opération force l'ordre même il a pral mener dans divers côtés et bien divers monde dans ville là et même yo confié qui effectivement dans la nuit de vendredi 2 pour l'ouverture et bien t'ai en pile coup de balle qui t'a chanté dans ville là côté pourquoi il a bagaille yo même yo pas de coup paraît trop clair dans un certain temps d'après blou et bien dimanche qui était 28 avril 2024 là deux prisonniers étaient perdu la vie pendant yo même yo t'a essayé sauver dans prison civile inch là dans département centre pays pour et bien qui s'est passé et bien dans même circonstance ça 13 moun yo même yo te blessé parmi yo te gen 3 agents administration pénitentiaire nationale qui c'est APNA et bien d'après déclaration communautaire gouvernement qui c'est Marlène Abraham ça c'était pour inch et bien dans dossier qui gen pour avec attaque qui était faite dans port de paix et bien bagaille yo même yo pas traité trop simple parce que gen plusieurs prisonniers eux même qui perdit la vie ou pendant attaque si là ou bien pendant tentative d'invasion pour t'écraser prison et bien ça qui gal la cause 4 prisonniers mourir avec 8 l'autre rivé sauvé quitter prison et bien dans une conférence pour la presse qui bah jeudi samedi 4 mai 2024 là responsable dans prison civile port de paix a fait qu'on ait 4 prisonniers qui mourir et puis 8 l'autre sauvé quitter prison et bien dans zak qui fait dans la nuit vendredi qui sont passé à la selon ça il fait qu'on est et bien sauver quitter prison c'était un plan individuel même yo était bien planifié déjà et bien il y a 8 prisonniers ça eux même qui étaient sauvés il y a 4 dans prisonniers eux même qui mourir en gros il y a 25 qui étaient dans cellule et bien d'après ça commissaire divisionnaire qui s'écrivent c'est toutes les mêmes les déclarer tout de suite après
constat juge Meto Stephen les mêmes li fait matin samedi à là yo souligné tout et bien c'est exactement dans cette île D qui était gagné 37 individus et bien Zach Sila les mêmes li t'a passé mettez sous ça yo fait comprendre gagne un policier qui sorti blessé après un prisonnier yo même li était attaqué là à qui on pic côté yo était arrivé fait à Meli et bien yon l'autre côté tout représentant la police là lui-même il était profité démenti information qui t'a plaidé partagé pour te faire croire que c'est bandit qui t'a attaqué prison et bien commissaire c'est toutes les souligner c'est plutôt prisonnier en dedans cette île d'IA lui-même qui t'a metté tête ensemble pour te planifier invasion si là après aux actes ça qui t'a passé Port-au-Prince et bien prisonnier l'autre côté yon même yon continue à faire tentative pour t'a sauver et bien pour qu'on y a là. Eh bien, même Jean commissaire gouvernement pour des pays qui se dit Pierre lui-même lui t'a fait croire que la police était en main opération pour rejoindre prisonnier ça yo et bien c'est même Jean tout PNH là même yo annoncé une grosse disposition qui prend dans toute ville là pour joindre 8 individus ça yo Pierre Josny et bien qui était condamné pour te passer 8 ans en prison Alexène Joseph lui-même était condamné pour toute la ville en prison garçon Bondi lui-même Jean Patrick qui était arrêté pour kidnapping et puis qui était condamné pour 12 années dans la ria Kounyala Johnny Alexandre Envilné et bien c'est non si la yo commissaire dit qui chapé pour lui alors que Jean Edondo alias 3 millions Paul Jean Gary Leslie Alexis Saint-Ilmé Jimmy c'est non si la yo même qui joine l'amoyo après invasion si là qui au même yoté tenté fait dans prison pour des pères qui donc nous c'est premier prison qui gagne tentative de fait et bien au bail bilan au bien clair pour la presse pour tout le monde capable on est qui ça t'est passé à vraiment de l'autre côté ça sorti dans pénitentiaire et bien dossier ça au même yo pas clair dit tout juge Melan Belab t'a demandé pour Kinton Louis lui-même dans dossier corruption lui-même qui gagne dans dossier CNE Magistrat Velan te décidé tendre à vendredi 3 mai 2024 la directeur actuel Centre National Équipement CNE qui se Kinton lui sous dossier corruption et bien en dans institution l'état lui-même qui passé devant juge après un rapport unité lutte contre corruption ILCC et bien yo te cité non dans dossier corruption nous tout répond question même Jean la loi m'a dit ça c'est ça citoyen lui-même était déclaré pendant te profiter sous lié c'est pas seulement les moun voler l'argent gain corruption mais tout les dit matériel CNE qui trouvé yo nan men quelque particulier ou bien en façon illégale c'est corruption tout na date 15 novembre 2023 unité lutte contre corruption a été publié un rapport enquête côté lui-même li te cité non plusieurs anciens fonctionnaires publics précisément directeur Kinton lui-même pour détournement bien public pourquoi il est là et bien directeur Asila lui-même li te déjà à répondre question sous dossier CNEA et bien accusation ILCC contre actuel directeur Kinton lui-même li te poussé ancien juge instruction qui c'est dans tribunal Port-au-Prince là juge Aldiniel dimanche lui-même li te mette mandat d'ailleurs en plus ancien candidat pour poste président Jude Célestin à date 29 décembre 2023 qui sont passé là pourtant et bien c'est une invitation directe Kinton lui-même li pas respecté après tout ça juge Meland lui-même li t'a pral invité et puis rivé tant directeur CNEA à 3 mai 2024 là et bien ça fait toujours sous base accusation comme monde qui était complice et puis monde cap utiliser titre là gagné ou même pour diverses corruptions en dedans institution mais yo pas qu'un bill sénateur Roni Celestin pral jugé devant tribunal criminel pour dossier Némi Joseph là et bien dans ordonnance qui rend sous dossier la mort journaliste Némi Joseph et bien juge Edwin Dossainville mandé pour ancien sénateur Roni Celestin avec 7 autres monde encore pour aller juger devant tribunal criminel selon explication magistrat preuve li yon suffit pour montrer implication moun sa yo nan la mort journaliste la juge Chandou Clégène Roni Celestin et Lionel Kaseis Angeline Fabiola Camo Locha Lagay qui c'est magistrat actuel ville Mivalea Douyon Roosevelt Lenel et puis Higgins Charles et bien c'est non moun sa yo même Dossainville voyé al juge devant tribunal criminel ak
présent jury qui donc magistrat la guerre non cité non dans dossier si la gain assez chaille avec signe qui justifie implication yo après qui donc youn après l'autre comme auteur acteur intellectuel et puis complice dans assassinat journaliste Nehemi Joseph et bien nous passer l'autre pour yo marcher prend yo al mettre yo dans prison et bien ville si la yo même yo pas là déjà d'après sa défense loi écrit dans rapport qui fait dans date 8 mars 2024 qui sont passé à là mais qui récit publié dans la nuit hier 2 pour l'ouvrir 3 mai 2024 là et bien l'autre côté même ordonnance ça juge de Saint-Ville mentionné gain diverses raisons qui t'a la cause la mort professionnel la presse là et bien premier bagaille là selon lui-même c'est parce que les jeunes victimes là t'ai gain relation l'amour avec Angelina Fabiola Camo et bien qui identifié comme femme Chandou et bien Claire Jeanne lui-même qui c'est youn nan moun ki impliqué nan la mort à tout deuxième raison ta gen lien avec profession journaliste la n'ap fò konnen et bien nan même dossier ça yo lèt janti avec Gary Pierre Paul Charles et bien c'est deux moun magistrat di li même li pa jwenn anyen kont yo nan dossier qui gen rapport avec assassinat Nehemi Joseph pendant ça n'ap souligné que nan moun ki impliqué yo juste Sadou Clégène li même li déjà nan prison civile mi balaya alors que Angelina Fabiola Camo et puis Elionel Casseis qui c'est magistrat ville Mibalea yo même yo nan marron et bien après le tout professionnel la presse la Nehemi Joseph li était assassiné c'était dans date qui était 10 octobre 2019 côté yo te joine victime nan et bien dans coffre machine li avec plusieurs magbal pak bayas kishita koli nan rentre ville Mibalea le wap soti nan zone laska ou baski donc et bien en pile moun ki impliqué là pourquoi il est là yo pral gagner pour passer devant juge nan dossier assassinat ancien journaliste qui te fait yon groupe à l'empile dans date 2019 qui s'est passé là et bien bagay yo paraît bol ancien sénateur Rony Celestin impliqué magistrat Locha Lage li même li impliqué dans dossier qui vient pour avec dossier assassinat ici là li même qui fait sous Nehemi Joseph dans ville Mibale pourquoi il est là et bien toute disposition doit prendre pour journaliste là lui-même li joine justice li parce que nèg yo prend plaisir yo nan touye moun n'importe gens office Nations Unies et bien États-Unis c'est principal source côté zam avec cartouche sorti pour rentrer en Haïti d'après Nations Unies qui donc office si la contre la drogue avec crime yo déclaré pour qui nan sud Florida yo et bien c'est point transit essentiel pour trafic illégal zam rentrer nan pays d'Haïti Anthony Salisbury et bien qui c'est agent spécial en charge investigation et bien il déclaré dans DH Gov que Miami yo même yo fait connait que yo identifier moun qui impliqué ou pas et bien dans activité criminelle yo même côté zam yo gagné pour sortir avec yon facilité dans pays États-Unis directement dans état Floride pour capable rentrer dans pays d'Haïti. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des meilleures façons que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous, c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification, mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté te abonner avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.